Madagascar, le tout nouveau Premier ministre Christian Tsay a pris ses fonctions en se fixant pour priorité la préparation d'une élection présidentielle inclusive pour tenter de sortir le pays de la crise politique. Les parlementaires nigérians ont menacé le président Muhammadu Buhari de destitution si des mesures fortes ne sont pas prises pour endiguer la corruption et rétablir la sécurité dans le pays. De nouveaux décès attribués à l'épidémie de fièvre Ebola ont été enregistrés en République démocratique du Congo, portant à 27 le nombre total de morts depuis un mois dans le nord-ouest du pays. Au Zimbabwe, des militants du parti au pouvoir, la ZANU-PF, ont défilé dans les rues de Harare en soutien au président Emmerson Mnangagwa avant les élections prévues le 30 juillet.